Marc Ravalmanan doit reconnaître Erazzo Narmapian comme président de la République, déclare le Premier ministre. Cette affaire, poursuit-il, exige encore un examen approfondi. L'État malgache a opté pour un avion de la société Boeing et un avion de la société ATR. Le prix de ces deux nouveaux avions de la compagnie Air Madagascar reste inconnu. Alors que plusieurs installations nucléaires françaises ont été survolées ces derniers jours par des drones, trois jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, ont été arrêtés hier en possession d'un appareil près de la centrale de Belleville-sur-Loire. Zakusi, na revedetsy manana dimy polo rera andehanana amin'ny vesi publika. Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabone. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière et collage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antanarin 034 60 543 90. GSI Analakin 033 12 606 92. Du grand spectacle arrive sur Canal Plus. Qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Ce décodeur est à 40 000 arrière seulement, pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Iray novembre ka tamin'iraika amin'ny telopolo décembre, tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay. Mety azahoana télévision 3D, Changong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga havaingana ary manantona ny tranombarotra Baolay amin'izao faran'ny taona izao sao ianao no ahazo an'ilay tele goava mbe fisariana ny raika amin'ny telopolo desambra. Baolay, ny tsara hatrany. Tsoka vitre en outapenak, menuiserie en aluminium, rideau métallique, volet roulant, vitre, tôle. Retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 6 au 9 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Soka Vitre en Outapen, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Zakusi, na revedetsy manana dimy polo rera andehanana amin'ny vesi publika. Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabone. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Marc Ravalmanan doit reconnaître Erazzo Narmapian comme président de la République, déclare le Premier ministre. Cette affaire, poursuit-il, exige encore un examen approfondi. Le nom du directeur général de l'ACM,
l'aviation civile de Madagascar, commence à beaucoup circuler. Un avocat chargé de la défense des 4 employés de l'ACM incriminés et placé en détention préventive à Intranan le dénonce comme le premier responsable du débarquement subi de Marc Ravalomanan à Madagascar. Ernestine Arapagi. 4 employés de l'ACM, Aviation Civile de Madagascar, ont été arrêtés il y a une semaine pour complicité dans le débarquement non autorisé de l'ex-chef de l'État, Marc Ravalomanan. Ce ne sont que de simples gardiens de l'aérodrome d'Atirabe, clament leur famille. De hauts responsables en liaison avec les hautes autorités savent qu'un avion allait atterrir ce jour-là. Suite à une plainte déposée par le directeur général de l'ACM, ses 4 employés et l'ancien président ont été incriminés dans une affaire de survol illégal du territoire. Leurs avocats soutiennent que la plainte de l'ACM n'est pas fondée et que le directeur général de l'ACM peut être considéré comme l'auteur principal, proclament les avocats. Selon des responsables, les 4 employés auraient dû être transférés à Antananarivo lundi dernier. Mais, jusqu'ici, ils sont toujours incarcérés à la prison d'Antananarivo. En ce qui concerne l'ex-président, l'audition a été suspendue. La juridiction d'Antananarivo a refusé de saisir l'affaire. Ce refus n'a fait l'objet d'aucun démenti officiel, malgré les démarches des journalistes. Il faut d'abord que l'ex-président reconnaisse d'abord Eradon Armapian, insiste le Premier ministre. Tous les responsables d'importance se renvoient la balle et refusent de s'exprimer sur l'affaire. L'opinion attend que le président Eradon Armapian cesse d'entretenir le flou et fasse une déclaration officielle sur l'affaire Ravalomanan, et notamment sur ses intentions. De quelle réconciliation parle Eradon Armapian ? L'élection des membres de la Cour internationale de la justice se fera cette nuit, heure de Madagascar, à La Haye. La juge Arvoun Eugénie Liliane a été choisie comme candidate de la République de Madagascar. Elle est une spécialiste reconnue en matière de droits de l'homme et des relations internationales. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères a lancé un appel aux ambassadeurs accrédités à Madagascar de favoriser la candidature d'Arvoun Eugénie Liliane. L'État malgache a opté pour un avion de la société Boeing et un avion de la société ATR. Le prix de ces 2 nouveaux avions de la compagnie Air Madagascar n'a pas été révélé. D'un autre côté, on apprend depuis Bruxelles que 80 imperfections restent à corriger pour sortir Madagascar de la liste noire de l'Union européenne. La signature du protocole d'accord entre le ministère des Transports et de la Météorologie, le ministère des Finances et du Budget avec la société Gassinet a été faite ce jour pour l'entrée de ces 2 ministères dans le module MIDAC ou module ministère-département et agence de contrôle. Reportage. Le choix de l'État malgache s'est fixé sur la société européenne ATR et la société américaine Boeing pour l'achat des 2 nouveaux avions de la compagnie Air Madagascar. Le ministre des Transports, Ulrich Ndiatine, précise ce jour que ces 2 avions n'arriveront pas à Madagascar au même moment. L'avion de l'ATR sera disponible avant la fin de cette année. Par contre, l'avion de la société Boeing n'arrivera au pays qu'au mois de janvier 2015. Si le problème de vétusté des avions d'Air Madagascar est ainsi en partie résolu, la sortie de Madagascar de la liste B de l'Union européenne demeure un grand problème pour la compagnie nationale. Si l'audit de l'Union européenne est prévu en avril 2015, 80 imperfections restent à corriger avant d'espérer sortir de la liste B. Le directeur général de l'ACM, James Ndianalsou, et le directeur général de la compagnie Air Madagascar, Adzara Elson, en ont été informés lors de la réunion de Bruxelles sur le sujet. Jusqu'ici, le budget réservé pour l'achat des 2 nouveaux avions est tenu secret. Le prix d'un Boeing varie entre 50 millions et 192 millions d'euros. Le moins cher des avions ATR est de 9 millions d'euros. La signature de protocole d'accord entre le ministère des Transports et de la Météorologie, le ministère des Finances et du Budget avec la société Gassnet a été faite ce jour pour l'entrée de ces 2 ministères dans le module MIDAC ou module ministère, département et agence de contrôle, un système permettant le contrôle administratif des importations de véhicules à Madagascar. La réhabilitation du Rouvre nécessite 10 milliards d'ariars selon le ministère et 25 milliards selon les Apanzac et les Taran Akanjin. Comme pour les autres grandes affaires qui se sont succédées dans notre pays, la réalité sur l'incendie de ce palais royal demeure discrète. La réhabilitation de ce patrimoine n'a encore eu de progrès remarquable. D'après l'association des Apanzac et Anjin, une partie de l'argent obtenu à partir des bois de rose doit pouvoir
pouvoir assurer la réhabilitation de ce palais. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et des Patrimoines, quant à elle, a mis le point sur la protection des autres patrimoines qui sont menacés actuellement. Olivier Njeman Amaïf. Qu'en est-il des cotisations déjà effectuées pour réhabiliter ce palais? De la somme de ces cotisations, aucun rapport officiel émanant de l'État n'a encore été effectué sur la réhabilitation de ce patrimoine malgache. 19 ans après son incendie, aucun progrès tangible n'a encore été remarqué pour la réhabilitation de ce palais, à part les toits. Cette réhabilitation ne semble être la priorité pour l'État, ce qui pourrait être facile si l'on utilise l'argent gagné à partir des bois de rose. D'après le ministère, il manque 10 milliards d'arrières pour restituer ce palais royal. Une somme minime par rapport à ce que possèdent les opérateurs de bois de rose. Aucune mesure n'a été encore prise pour protéger les autres palais contre l'incendie qui les menace. Pour rappel, pas plus tard qu'hier, le palais d'Imboudjatchim a été victime d'incendie, pareil pour le contour de celui d'Ilaf. Face à ces situations, le doute se pose sur la possibilité d'incendie intentionnel sur ces patrimoines. Ce qui a poussé le ministère à porter plainte sur cette affaire. La commémoration du palais Manzakamiadan a été effectuée ce jour. La suite de l'enquête sur cette affaire demeure secrète jusque-là. Durant cette commémoration, les chansons qui ont marqué le palais Manzakamiadan ont été chantonnées comme dans le temps. Des habitants d'Antananarivo et riverains n'ont pas la possibilité de se construire une habitation durable. Les promoteurs immobiliers ne peuvent satisfaire que 0% des besoins par an. Les détails. Dans les villes, les besoins en habitat atteignent des millions chaque année, dont un quart concerne la capitale. Les constructions en cours sont loin de répondre à la demande. Les promoteurs immobiliers n'en proposent chaque année qu'aux environs de 300 unités. Une maison prête à être habitée s'achète aux environs de 60 millions d'arrières actuellement. L'offre n'est pas à la portée de tous les malgaches. Jusque-là, les plus vulnérables habitent dans des bidonvilles, de sachets ou de cartons, ou au mieux, dans des cahutes en plein Antananarivo. Pourtant, un habitat digne figure parmi les droits fondamentaux de l'homme. Jusque-là, aucune politique gouvernementale n'est encore mise en place pour la promotion de l'habitat, ni sur de nouvelles constructions, ni sur une éventuelle construction de Tchanmour. Le salon de l'habitat sur les constructions et les matériaux de construction a été lancé officiellement ce jour. Mais également dans l'actualité ce jour, le monde rural devient le point focal des actions de développement. La petite commune de Bétou se pose en exemple des capacités rurales à s'investir dans le changement et le progrès. Elle vient d'accueillir une antenne de l'Alliance française. Gaëtan Jeslav. Sur 13 km², la commune de Bétou regroupe 4000 habitants répartis en 7 fouctanes ou communautés de base à Madagascar. Les feux de brousse ne font pas partie de leurs mœurs. Les terres sont recouvertes à 70% d'arbres eucalyptus plantés il y a des années et objet d'un suivi systématique. Et ce, pour de bonnes raisons. C'est beau, c'est sain et surtout, ça rapporte. La population de Bétou approvisionne la capitale en charbon et en bois de chauffe sans nuire à son environnement. Elle fait partie de ces petites communes rurales qui savent où elles vont. Celle de Bétou compte 4 écoles primaires publiques, 2 collèges d'enseignement général, un petit hôpital et une grande maison de la culture et des loisirs. Ses habitants, comme tous les paysans, vivent de l'agriculture et de l'élevage. Mais ils ont un plus. Bétou dispose d'une petite manufacture d'artisanat malgache. Ceux qui passent par cette commune découvrent un centre de production doté de machines et divers équipements pour le travail des fibres de raffia, de tissus, de fils de coton perlés et de bien d'autres matières premières. Les connaisseurs se passent le nom de Bétou pour se procurer de quoi décorer leur intérieur. Même avec 3000 arrières, vous repartez comblés. 16 membres font tourner la petite unité de travail du fil. La commune prépare actuellement les esprits à l'implantation d'une antenne de l'Alliance française. Population cible, les enfants et la jeunesse. Des responsables de l'Alliance française sont descendus ce jour à Nzouma Bétou. Objectif, sensibiliser et inciter les enfants et la jeunesse à devenir membres et fréquenter l'Alliance française. Les Vaïnes ont organisé un sympathique test d'évaluation des connaissances. Des livres et des ballons ont été offerts par des donateurs. Et nous passons aux actualités internationales.
Même le ciel de Pékin est au garde-à-vous. Le président Xi Jinping n'a rien laissé au hasard pour son premier grand test international à domicile. Les fonctionnaires ainsi que les usines ont été mis en vacances d'office pour garantir un air pur à Barack Obama, ainsi qu'aux autres dirigeants de l'Asie-Pacifique qui se retrouveront du 7 au 11 novembre dans la capitale chinoise. France 24. C'est un rêve de Pékinois, ou plutôt un rêve qu'on n'osait plus rêver. La ville sans embouteillage, un ciel bleu, un air enfin respirable. Fini la pollution, la purée de poids, les maux de gorge. Vive l'APEC. C'est la perspective du prochain sommet de cette organisation Asie-Pacifique, avec notamment Barack Obama, qui nous vaut cette cure de bon air. Circulation alternée pour les voitures. Regardez, il n'y a que des plaques se terminant par un chiffre pair. Fermer les usines les plus polluantes, arrêter les chantiers les plus bruyants. Sans compter un petit coup de peinture. Nous avons pris les mesures les plus radicales de notre plan air pur pour protéger ce sommet. C'est le niveau le plus élevé. Corollaire de ces mesures spectaculaires anti-pollution, la mise en congé des fonctionnaires, des employés du secteur public, des écoliers, des étudiants et même de certains employés d'entreprises privées. C'est bon pour nous les salariés, mais pour les entreprises, pas forcément. Si on avait tous à aller au boulot, ça créerait des embouteillages. Les entrées des véhicules immatriculés en province sont strictement limitées et contrôlées. Car si on a à cœur d'offrir à ces messieurs de l'APEC du bon air, on a plus encore le souci d'assurer leur sécurité. Les mesures sont impressionnantes, d'autant que depuis un an, la Chine connaît une vague de terrorisme imputé aux indépendantistes ouïghours. Les militaires, dans leur style inimitable, prennent leur mission très au sérieux. Nous avons équipé tous nos postes de différents matériels antiterroristes et déployé des effectifs dans tous les endroits importants de façon à pouvoir réagir efficacement si quelque chose arrivait. Et puis, trois jeunes gens d'une vingtaine d'années ont été interpellés hier en possession d'au moins un drone aux abords de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Ils ont été placés en garde à vue pour survol volontaire par pilote d'un aéronef d'une zone interdite. C'est toujours un reportage de France 24. C'est dans cette gendarmerie de Bourges que les trois personnes interpellées sont toujours interrogées. On commence à en savoir plus sur leur profil. Il s'agit d'un chauffeur routier de 31 ans, un serrurier de 24 ans et une étudiante de 21 ans. Deux au moins habitaient dans la région. Hier après-midi, ils ont été surpris par les gendarmes à proximité de la centrale de Belleville-sur-Loire, près d'un étang. Ils avaient deux drones identiques à celui-ci. Des engins de 50 à 70 cm d'une valeur de 600 euros environ. Ils venaient de les faire voler et s'apprêtaient de nouveau à les utiliser. Autour d'une centrale, le périmètre de survol formellement interdit s'étend sur 5 km de long et 1 km d'altitude. Les trois personnes d'hier se trouvaient clairement en zone interdite. Les gendarmes cherchent maintenant à savoir s'il s'agit de passionnés d'aéromodélisme imprudent ou de personnes ayant agi par mimétisme. En tout cas, selon le procureur, ils ne sont pas soupçonnés d'être les auteurs de survols d'autres centrales nucléaires. Depuis début octobre, 13 réacteurs ont été survolés. Et pour le moment, le mystère de ces vols demeure. Et je rappelle ici, en terminant, les grands points de ce journal. Marc Ravalman, qui doit reconnaître Eratan Armapian comme président de la République, a déclaré le Premier ministre le nom du directeur général de l'ACM, l'aviation civile de Madagascar, et qui commence à beaucoup circuler dans cette affaire. Il y a eu aussi l'élection des membres de la Cour internationale de la justice qui se fera cette nuit de Madagascar à La Haye. La juge Arvoun Eugénie Liliane a été choisie comme candidate de la République de Madagascar. Et enfin, les 41% des habitants d'Antananarivo et riverains qui n'ont pas la possibilité encore de se construire une habitation durable. Et vous suivrez juste après ce journal votre série, la série Mistresses, suivie toujours de deux films, The Two Faces of January, et un peu plus tard dans la soirée, un film frisson, Le Regard du Diable. Voilà pour l'essentiel. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Et prochain rendez-vous, l'information demain, à partir de 20h45, toujours. Au revoir et bonne soirée à tous.